Eh bien, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que votre semaine se passe bien. On se retrouve sur la série Fauché comme les blés en solo. Et oui, en solo les amis. Mais je vous explique tout ça juste après l'intro. Eh bien, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que votre semaine se passe bien. Donc je suis en solo sur la map, bien sûr, sur la carrière suivie Fauché comme les blés avec mon ami normalement Clément à qui je passe le bonjour. Voilà. Alors il a plus internet à cause de l'orage et de la tempête, donc du coup je vous sors cet épisode aujourd'hui, jeudi. Donc au programme, vous l'avez compris dans la petite intro, dans les petits plans de vue que je vous fais habituellement, voilà, donc j'ai tout préparé. Donc mon ami Clément, j'ai dépensé de l'argent, mais on avait prévu d'acheter cette faucheuse-là. Il n'y a que la pirouette qu'on n'avait pas prévu, j'avais pas prévu d'acheter cette pirouette-là, mais je me suis dit que finalement, avec le petit Renault, ça faisait un bel ensemble. Et du coup, je vais utiliser le Fend avec les garde-boue, bien sûr. Donc je vous montre au niveau de l'argent, Clément a sacrément avancé. On est à 481 375 euros. Donc voilà, on va se permettre, je pense, d'acheter un autre champ. Ici, on va faire du foin pour aujourd'hui. On va voir après, avec mon ami Clément, ce qu'on fera par la suite. Je pense que dans cet épisode-là, je vais vous mettre quelques petits accélérés. Voilà, comme ça, vous aurez le temps de voir vraiment l'activité foin jusqu'au bout. Ça peut être sympathique aussi. Parce que c'est vrai que ce champ-là, il est immense. Et du coup, si je ne mets pas quelques petits accélérés, vous n'aurez pas le temps, bien sûr, de tout voir. Et ça serait un peu dommage. C'est vrai que l'activité fouet, elle est sympathique quand elle est menée jusqu'au bout, quoi. Donc voilà. Alors, on est mercredi au moment où je tourne cet épisode. Les amis, j'ai attendu jusqu'au dernier moment. Parce qu'en général, je tourne bien plus tôt. Parce qu'on se retrouve déjà avec mon ami Clément. Et comme j'avais très, très mal à la gorge... Voilà, donc je me suis soigné comme je vous ai expliqué. J'ai pris du Doliprane, Doliprane d'Afalgam. Voilà, ça, c'est pour l'instant, ça tient, ça va mieux, j'ai plus mal. Donc voilà, merci à tous ceux qui m'ont laissé des commentaires. J'ai vu qu'il y avait des commentaires extra, comment me soigner entre guillemets. Donc merci à vous, ça fait vraiment plaisir. Voilà, donc c'est touchant. On va pas faire un épisode trop long. Donc je vais faire un ou deux tours et ensuite je finirai. Moi de mon côté, je vous le placerai en accéléré. Pareil pour quand on va pirouetter. Et on finira par l'endénage, par endéner ensemble tranquillement. Voilà, ça devrait faire une vidéo de 20 minutes à peu près. Donc au moment, comme je vous dis, où je tourne l'épisode, et vous au moment où vous le verrez, c'est-à-dire jeudi matin à 9h, moi je suis là. On est à quelques heures du live. Donc de des agriculteurs français, voilà. Donc merci à vous, j'espère que ce live ça vous aura plu, voilà, j'en ai aucun doute, et que vous allez répondre présent. Voilà, il y aura beaucoup de monde, je pense que voilà. Donc du coup on va faire cette série avec mon ami Jérémy, bien sûr, et bien sûr la Ster Family, donc toute l'équipe à Bastien. Donc voilà, à qui je passe le bonjour. Je passe le bonjour aux nouveaux abonnés, bien sûr. Merci à vous et à ceux qui me suivent aussi depuis le départ. Voilà, toujours, c'est normal, c'est le respect. Ensuite, je passe bien sûr le bonjour à la Farming Family en intégralité. Voilà, donc voilà. Allez, il se peut, les amis, malheureusement, que je ne puisse pas aller au salon de l'agriculture. Mais si j'y vais pas, c'est que pour... Enfin, c'est pour une bonne nouvelle. Donc voilà, je ne peux pas vous en parler pour le moment, mais... Je vous tiendrai au courant, mais il y a 9 chances sur 10 que voilà, ce que je rêve de faire se réalise. Et du coup, ça va me bloquer, bien évidemment. Voilà, donc du coup, voilà. Mais bon, ça, c'est un détail, c'est que partie remise, ne vous inquiétez pas. Après, je ne sais pas encore, donc je commence à anticiper un petit peu, voilà, histoire de ne pas vous décevoir si vous ne me voyez pas au salon de l'agriculture, bien évidemment. Voilà. Allez, regardez ce petit Fend, je m'en sers jamais. C'est mon ami, c'est le tracteur de mon ami Clément. Alors du coup je le vois, je le prends jamais, donc voilà, mais c'est pas, ouais, moi j'aime bien ce Fend, il est très très bien, je suis pas jaloux, il n'y a pas de souci. Moi j'aime bien mon petit CAS, c'est vrai que niveau tracteur, entre guillemets,
cases, j'en prends jamais des cases. Donc forcément, ça fait plaisir quand voilà, on peut changer un petit peu de modèle et de tracteur, bien évidemment. Voilà. Allez, vous voyez, ça se fait super bien. Ça se fait relativement vite. Mais c'est vrai que si jamais, ben, si je veux vous montrer toute l'activité complète en, comment dirais-je, dans l'épisode là, je peux pas ne pas faire d'accélérer. Et puis c'est vrai que ça fait un petit moment que je vous ai pas fait d'accélérer. Alors d'accélérer, quand je dis accélérer, ça sera pas un accéléré de mon petit pépé valaisan, hein, bien évidemment. Hein, ça sera un accéléré. Je vais vous l'accélérer. Vous allez voir que ça va fuser. On va faire quelques tours ensemble, voilà, histoire de qu'on ait quand même l'activité foche. Voilà. Ensuite, je voulais revenir sur ma série, ma petite exploitation, les amis. Bien évidemment. Enfin, voilà, on va passer au bio, hein, donc on va y arriver, mais ça se fera. Comment dirais-je, en temps et en heure voulu, on va pas y arriver comme ça, voilà, ça se fera tranquillement, quoi. Donc voilà, peut-être même, on verra, puisque j'ai vu quand même que hier on était quand même au 16e épisode, et oui les amis, ça passe, vous voyez, ça avance, donc du coup, ce qui fait que 16 épisodes, on fera peut-être une saison 3, et dans ce cas-là, on changera pas de map. Enfin, on ne changera pas de map. Si, admettons, il y a une map qui sort intéressante, on fera peut-être une troisième saison sur une autre map différente. Mais dans ce cas-là, je vais l'anticiper, d'accord ? Je vais passer une saison complète en 3 jours, avec le mode saison en 3 jours. Comme ça ira relativement vite. J'aurai un petit peu de stock, voilà. Et dans ce cas-là, on se retrouvera au printemps de la deuxième année, avec du lait, avec des, bien sûr, le Global Company, avec les serres et compagnie, enfin, tout ce qu'il faut, mais en bio. Pourquoi pas ? Ça peut être une idée sympathique. Après, c'est vrai que ça m'embête de changer de map, mais ça peut être aussi intéressant, quoi. Allez, regardez, là, on va couper, on va aller jusqu'au bout là-haut. Vous allez voir, on va couper ici. Et puis, on va partir en accéléré, les amis. Comme ça, ce sera sympathique. Je vais couper ça. Et après, on se retrouvera pour pirouetter. Et pareil, on refera un petit accéléré de la pirouette. Et on se retrouvera, bien sûr, comment dirais-je, à la fin de l'épisode pour en dîner ensemble. Voilà, ça peut être sympa. Et ça changera de d'habitude. Donc, je vous dis à tout de suite, les amis, juste après le petit accéléré.
You wanna roll with the stunners, keeping it lean, we keep it 300. Your bitch wanna fuck shit up, bitch better have my money, Rihanna. I build the shit up, no surprise. Blessed and tears into eyes. Analyze when we start shooting. It's that Tokyo grind. Voilà, donc j'espère que ce petit accéléré vous aura plu. Voilà, donc plutôt que de vous faire l'accéléré en plusieurs fois et en plusieurs reprises, je vous ai tout mis d'un coup. Voilà, donc la fauche et le pirouettage, enfin le fauché et pirouetté. Donc voilà, on va finir le pirouetté ensemble. Voilà, il y a quand même pratiquement 26 minutes d'accéléré, les gars. Pour information, voilà, donc du coup, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu à cette vidéo, bien sûr, si elle vous a plu. N'hésitez pas aussi à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Voilà, ensuite, donc ouais, on va faire du fouet. Ce fouet, on va en garder une partie, l'autre partie, on la vendra. Voilà, il me semble, alors de mémoire, ouais, le fouet, il se vend plutôt pas mal. Donc bon, alors vous voyez, je sais pas ce qu'il y a là, mais bon, bref. Alors ce qu'il faudrait ici, c'est le labourer, ce champ, bien évidemment, je verrai ça avec mon ami Clément. Pourquoi pas le labourer, ce champ, et bien sûr, y faire une céréale pour que ça nous rapporte style un colza, style, enfin, on peut faire n'importe tout et n'importe quoi vu qu'on n'a pas le mode saison dessus. Donc ça serait cool. Ouais, je pense que ça serait bien d'y faire une céréale sur ce champ d'herbe. Ensuite, on verra par la suite, mais je pense qu'on refera encore des missions. On verra si on peut accueillir les vaches. Mais je crois que c'est très très cher les vaches, donc du coup c'est pour ça qu'on n'avait pas encore, enfin on les avait pas accueillis encore avec Clément. Il faut acheter le corps de ferme bien sûr. Donc voilà, c'est vrai qu'on a les moutons qui nous, comment dirais-je, qui nous rapportent bien sûr maintenant toute l'année du coup, vu qu'on a enlevé le mode saison, je vous rappelle, parce que avec le CCM 1000, le mode saison faisait planter la map. Alors bon, c'est pas très grave, hein, mais c'est vrai que c'est un peu dommage. Bon, sachant que j'ai testé sur la map Vieille France et ça fonctionne. Vous voyez, le mode saison plus le CCM 1000 plus le maïs plus. Hein, je vous rappelle qu'on a mis le maïs plus dessus et ça fonctionne très bien. Donc, ouais, donc je sais pas, c'est un peu bizarre. Ouais, c'est comme ça. Hein, des fois, on ne comprend pas tout, mais bon, voilà. Allez, on va aller juste faire le petit boule qui manque en redescendant. Et puis, on va commencer à en dîner ensemble, mais on ne va pas faire plus long, les amis, pour aujourd'hui. Voilà, donc c'est vrai que je suis en solo, c'est pas pareil. Mon ami Clément me manque, donc du coup, c'est vrai que c'est un peu. Bon, voilà, c'est comme ça, c'est l'habitude. Hein. Allez, très jolie pirouette. Hein. Hop, on va la couper. On va aller prendre l'endaineur. On va faire quelques tours. On va faire déjà le premier tour ensemble. On va voir à peu près combien de temps ça met. Mais c'est vrai que je vous ai fait un accéléré assez long. Et du coup, ça fera un bon petit épisode. Et je suis content parce que ma voix va mieux. Hop, je ferme ma porte. Allez, on va déplier le loup-bourdal. Ouais, on va partir dans ce sens, là, c'est pareil. Allez. Donc ça fait un joli champ d'herbe quand même, hein, mine de rien. C'est vrai que, bon. Après, est-ce que. Je sais pas, est-ce qu'il vaut mieux. Ben là, on va partir. Bon, on va détourer le champ. Allez, on va le détourer ensemble. Alors, hop. On va essayer de faire ça propre quand même. Ça serait bien quand même, Seth, que tu fasses ça propre. Allez, j'aurais peut-être dû prendre un antenneur plus gros. Ouais, je sais pas. Mais bon. C'est vrai que financièrement, on avait les moyens de prendre un antenneur plus gros. J'aurais peut-être dû en fait, parce que c'est vrai que je vais mettre des heures à le faire. Bon, c'est pas grave. Hein. Au pire, on vous fera pareil. On vous fera un petit accéléré avec Clément. On verra quand on reviendra sur la map qu'est-ce qu'il en passe. Et voilà, j'étais pas du tout parti pour faire du foin. Et puis finalement, l'activité s'est proposée même à moi. Enfin voilà, ça coulait de source, pardon. Donc voilà, du coup, ça faisait un moment que je n'en avais pas fait non plus. C'est vrai que ça, le mode saison, on fait des activités voilà, qu'on n'a pas l'habitude. Enfin, qu'on peut pas faire n'importe quand, n'importe comment avec le mode saison, je vous rappelle. Donc c'est vrai que ça met un attrait supplémentaire et quand même au jeu, on a beau dire ce qu'on veut, le mode saison c'est quand même plus sympathique. Alors bon, mais voilà, je l'ai quasiment partout le mode saison,
Donc on s'est dit avec Clément, c'est pas bien grave, une série sans mode saison, c'est pas non plus, voilà. Au contraire, ça nous soulage aussi un petit peu, parce que là, je sais pas bien ce que j'aurais fait avec un champ ou deux champs. Enfin voilà, vous voyez, il n'y a pas non plus énormément de... Voilà, on n'a pas non plus, comme le titre l'indique, hein, fauché comme les blés. Donc du coup, on est vraiment fauché. Et à part des missions, vous proposez des missions et des missions et des missions. C'est vrai que bon, voilà quoi. Alors c'est vrai que cette semaine, on avait prévu avec mon ami Clément de faire live. Sauf que comme il n'a plus Internet, parce qu'avec l'orage, je vous rappelle, sa box, elle a dit au revoir, président, au revoir. Donc voilà, bon, ça reviendra, ne vous inquiétez pas, il est en train de faire en sorte que ça revienne, les amis, ne vous inquiétez pas. Mais c'est vrai que voilà, du coup, on vous sort quand même un épisode aujourd'hui, même s'il n'est pas avec moi. Voilà, après, j'ai attendu vraiment au dernier moment parce que j'ai dit ma voix, elle était en train de dérailler hier à 2h du matin, je ne parlais plus. Donc du coup, voilà, aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Comme quoi, vous voyez, la force et l'envie, l'envie est plus fort que tout. Voilà, même quand j'avale, maintenant j'ai plus mal. Je reprendrai quand même des cachets ce soir. Et voilà, voilà, voilà. Simplement, voilà, tout simplement quoi. Allez, regardez, on a détouré le champ. Après, est-ce qu'on va... Alors, dites-nous dans les commentaires, je ferai un petit stropole, un petit sondage. Est-ce que vous voulez qu'on achète une presse carrée, les amis, ou est-ce qu'on achète une presse ronde? Bon, c'est vrai que la plupart du temps, j'achète des presses rondes, mais je crois que là, ça serait peut-être plus intelligent d'acheter une presse carrée. Parce que il va y avoir de la botte et ça serait peut-être plus simple pour nous. Et comme ça, on pourrait se servir aussi, souvenez-vous, du DLC Anderson. On pourrait louer le plateau du DLC Anderson. J'en ai pas encore parlé à Clément, mais je commence à vous en parler un petit peu. Voilà, on verra dans la semaine prochaine. Et je pense, sincèrement, qu'on achètera une presse carrée. On verra en fonction d'eux, mais c'est vrai que ça peut être sympathique aussi. Voilà. Et bien écoutez les amis, on va pas faire plus long pour ce petit épisode, voilà, j'espère qu'il vous aura plu. C'était Side Farmer 12, le geek du soleil, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente fin de semaine. Et quant à nous, on se dit à très vite pour de prochaines aventures. Bye bye.